Comment ajouter des sous-titres à une vidéo YouTube? Comment avoir les sous-titres en français sur YouTube? Comment mettre les sous-titres automatiques sur YouTube? Pourquoi certaines vidéos YouTube n'ont pas de sous-titres? Si vous publiez des vidéos sur YouTube, il est important de mettre en place des sous-titres pour améliorer leur référencement. Vous allez vous connecter à votre compte YouTube, sélectionner une de vos vidéos et cliquer sur « Modifier la vidéo ». Dans la partie gauche de votre compte YouTube Studio, vous allez pouvoir sélectionner la partie qui concerne les sous-titres. Voici comment se présente votre page. Vous pouvez constater que les sous-titres ont été publiés de façon automatique, et c'est justement ce que nous allons regarder. Cliquez sur « Dupliquer et modifier ». Vous allez obtenir un message qui vous informe que vous allez changer la piste. Vous pouvez cliquer sur « Continuer ». La fenêtre vous propose une transcription automatique de votre texte. Parfois, c'est très bien fait, mais on notera quand même qu'il faut veiller aux incohérences, surtout si votre prononciation n'est pas bonne, ou si vous avez un fond musical. Lisez attentivement la transcription, modifiez les erreurs, faites les rectifications nécessaires, en particulier pour les noms de sites, les noms propres. C'est important pour la suite, car si vous ne supprimez pas les erreurs, vous allez les traduire dans d'autres langues. Cliquez ensuite sur « Publier ». Maintenant, vous voyez que vous avez une nouvelle ligne, vous avez bien publié le titre et la description, nous allons pouvoir modifier les sous-titres. Sur YouTube, il est important de savoir comment créer, gérer et modifier des sous-titres. Pourquoi faut-il ajouter des sous-titres à des vidéos YouTube? Les sous-titres aident à améliorer le référencement d'une vidéo YouTube, car ils permettent au moteur de recherche de mieux comprendre le contenu de la vidéo et de l'indexer plus facilement. Les sous-titres doivent être bien choisis, car ils aident également les utilisateurs à comprendre le contenu de la vidéo. Avoir de bons sous-titres peut les encourager à regarder plus longtemps et à partager la vidéo avec leurs amis et leur communauté. Une fois que vous avez terminé les modifications, vous allez pouvoir ajouter une langue. Cliquez sur « Ajouter une langue » et choisissez la langue qui vous intéresse. Dans la ligne qui concerne l'anglais, cliquez sur « Ajouter » au niveau du titre et de la description. Dans la fenêtre de gauche, vous avez le texte en français. Il vous reste à compléter la traduction en anglais. Pour cela, vous pouvez vous aider de la solution de traduction automatique de votre choix. Faites des copier-coller des paragraphes pas trop longs pour être en mesure de vérifier la cohérence de vos traductions.
voici le titre et la description. Une fois que vous avez terminé votre traduction, cliquez sur « Publier ». Nous allons maintenant ajouter les sous-titres en anglais. YouTube vous propose plusieurs solutions pour traduire vos sous-titres. Pour cet exemple, nous allons opter pour la traduction automatique. Une fois que vous avez choisi la traduction automatique, vous pourrez voir les résultats de la traduction. Et bien sûr, vous pouvez encore faire des modifications si c'est nécessaire. Ensuite, cliquez sur Publier. Maintenant, vous pouvez constater que les titres et les sous-titres sont bien validés sur votre tableau de bord. Effectivement, les sous-titres sont disponibles en français et en anglais. Vous avez besoin d'un consultant en informatique pour une intervention en télémaintenance ? Vous pouvez choisir votre langue dans les paramètres de la vidéo et ensuite activer ou désactiver les sous-titres. En conclusion, vous êtes victime d'attaques informatiques et vous avez besoin d'informations. Nous avons vu comment vous pouvez, de façon assez simple, ajouter et modifier des sous-titres dans vos vidéos YouTube. Devant les tribunaux. Pensez à vous abonner à la chaîne principale, depuis 1999, avec une spécialisation dans la prévention des fraudes en à découvrir nos services sur le site pacta.com.